Salut les vieux! Approchez avec vos déambulateurs et poussez le volume de votre ardoise. C'est l'heure des chroniques en images avec JC. Allez, pour commencer, deux petits jeux. Mon premier a fait du prog avant de vendre de la soupe populaire. Mon deuxième est un virtuose de la batterie. Mon troisième compose des trucs épouvantables au clavier. Et mon tout revient après 12 années de silence. Qui suis-je? Mais Porky Pantry, bien sûr, qui annonce à grand renfort de pub un nouvel album et une tournée pour 2022. Bonne ou mauvaise nouvelle? Allez savoir. Et sinon, vous connaissez la différence entre Isaac Asimov, Mike Rutherford, Phil Collins et Tony Banks? Allez, je vous donne deux indices. Écoutez bien, livre et disque. Alors, vous avez trouvé? Ben, il n'y en a pas. On les trouve tous les quatre dans le même magasin. Des fois, je rentre dans une boutique pour m'offrir un truc. Un truc, n'importe quoi, mais un truc. C'est ce qui m'est arrivé il y a peu. Je suis rentré à Cultura et je suis sorti avec Foundation, le bouquin d'Asimov, et le coffret de Last Domino de Genesis. Foundation, je n'avais jamais réussi à le lire, mais la série Apple a relancé mon enthousiasme. Pour ce qui est de Genesis, j'ai déjà tous leurs albums et plus encore. C'est mon troisième amour musical après Johnny Hallyday et AC/DC. Preuve que l'on peut toujours s'améliorer avec l'âge. Je n'écoute que rarement mes disques de Genesis aujourd'hui. Il faut dire que je les connais un peu par cœur en fait. Alors pourquoi ce coffret? Parce que je ne les verrais pas en live? Même pas. S'ils étaient passés à Strasbourg, je ne serais sans doute pas allé les écouter. Pour la collection alors? Ouais, sans doute un peu. Mais c'est surtout parce que j'aime les vinyles. Alors un coffret de 4 galettes 180 grammes, sorte de best-of de la période Collins, comment résister? Je possède également K-Drive, la compile de 2014, qui ne sort jamais de son étagère. Mais The Last Domino n'est pas du même tonneau. C'est une compilation moderne du trio Infernal, bourrée de tubes, un magnifique objet au son fabuleux. Depuis que je l'ai, j'écoute au moins un des vinyles chaque soir pour le plaisir. Quatre pochettes, reliées dans une couverture rigide, protègent les vinyles glissés dans des étuis à l'effigie de chacun des musiciens du trio. Chaque fois avec une petite citation. Sans surprise, c'est celle de Phil qui est la seule qui soit drôle. It's a democracy as long as we agree with Tony. De nombreuses photographies agrémentent cette compile. Les trois vieux, mais aussi leurs compagnons de tournée. En cherchant bien, il est caché au fond d'une pochette, vous trouverez un code de téléchargement pour ces titres que vous avez déjà à la maison. Car n'espérez aucun inédit ou version déviante ici. C'est de l'archi-connu. 27 tubes remplissent le coffret. Home by the Sea, The Son of Mine, Abacab et quelques reliques du prog pour ne pas fâcher les vieux comme moi. Dancing with the Moonlit Night ou encore Fifth or Fifth. La cohabitation de ces deux mondes peut perturber, comme passer de Carpet Crawlers à Abacab sur la face B de la dernière galette. Mais ils ont tout de même évité de coller The Knife avec Congo. C'est déjà ça. The Last Domino est un super cadeau de Noël pour votre grand-père audiophile, atteint de collectionnite aiguë, et pour lutter contre son Alzheimer inéluctable. Bref, un truc pour les vieux riches qui ne savent pas quoi faire de l'Afrique. La semaine prochaine, si vous êtes encore de ce monde, je vous emmènerai au Brésil. Alors, prévoyez votre string. Bisous.